La tolérance en milieu scolaire, elle s'exprime en latin. Hymne tolerare, hymne à la tolérance, longtemps chanté et désormais mis en œuvre par l'artiste Orenchi. Moyen choisi pour l'exprimer, un concours inter-école, ce projet vise à rendre possible la cohésion, le dialogue et la coexistence pacifique entre les jeunes. Nous sommes là pour promouvoir la tolérance en milieu scolaire à travers... le programme Mon Pote, parce que être pote, ça ouvre les portes. Et pourquoi ? Pour construire ensemble une génération tolérante à travers les arts. Une action fort appréciée d'ailleurs par le représentant de l'UNESCO. Le travail qu'il est en train de faire dans les écoles vise à promouvoir la tolérance, la coexistence pacifique, le dialogue. C'est cela qui est à la base de la fondation de l'UNESCO. C'est un plaisir pour moi de me retrouver là et de voir surtout la diversité des jeunes. Et pour la finale, 4 équipes se sont affrontées à travers des sketchs et des hymnes autour du thème tolérance, vainqueur de cette première édition Intellect Afrique de Marc Horry. Hymne Tolerare est à la fois un concours à dimension éducative et ludique, lancé depuis plus de 3 mois déjà. Ce concours a vu la participation d'une dizaine d'établissements scolaires.